violer ma femme, violer mes enfants, violer mon mère, tuer mon père. Et moi, je vais rester là, te regarder, t'assister, continuer à faire ce que toi, tu veux faire chez moi, dans ma maison, dans ma chambre, sur mon lit. Jamais de la vie. On va voyager. On va voyager. Dites, on va voyager. Tout à l'heure, vous avez entendu l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Frère, nous sommes en difficulté. Nous sommes dans des problèmes. Mais ces problèmes-là, il y a une solution. Il y a une solution. Mais tellement que nous sommes persécutés, la solution qui est à côté, on ne prend pas garde de voir cette solution. On va voyager. Vous connaissez tous la solution. Mais l'orgueil vous empêche de voir cette solution qui est juste à côté de vous. Connais-tu la devise de la Côte d'Ivoire? Tu fais quoi avec l'union? Qu'est-ce que tu fais avec l'union? Qu'est-ce que nous faisons avec l'union? Nous disons l'union fait la force. Mais toi, tu vois l'union et tu passes à côté de l'union et puis tu peux enlever Ouattara. Tu ne voudras pas enlever Ouattara sans l'unité. L'Ivoirien, Africain, sans l'unité, tu ne pourras rien faire. Ouattara a beaucoup fait. Beaucoup ici disent qu'ils sont spirituels. Beaucoup ici disent qu'ils prient Dieu. Vous tous, n'est-ce pas? Vous dites que le combat de la Côte d'Ivoire est spirituel, n'est-ce pas? Alors, quand tu écoutes l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont annoncées dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Mais avant que ces choses ne s'accomplissent, ce qui est écrit, il faut que des gens fassent en sorte que ce qui est écrit s'accomplisse. Alors, cher Ivoirien, il fallait qu'un pur sang, quelqu'un qui vient de chez toi, quelqu'un qui vient de ta maison, il fallait que cela passe par lui, parce que c'est sa mission, avant qu'il ne vienne sur cette terre, il fallait qu'il passe par là, c'est sa mission. Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit celui qui rédigeait l'hymne national de la Côte d'Ivoire était? Est-ce que vous saviez quelle entité qui était à côté de lui lorsqu'il rédigeait l'hymne national? Frère Ivoirien, vous chutez, seule l'unité pourra nous faire gagner ce combat. Seule l'unité pourra nous faire gagner ce combat. Après l'unité, vient la discipline. Sans la discipline, nous ne pouvons rien. Après vient le travail. Je sais que l'Ivoirien est très intelligent. Je sais que l'Ivoirien est courageux. Chers frères Ivoiriens, chers frères Africains, seule l'unité pourra nous faire gagner ce combat. Ouattara,
il nous a lancé un défi. J'ai demandé à la France de rester à l'écart parce que ce défi, vous, c'est moi. Je dis bien, vous, c'est moi. Vous, c'est moi. Nous allons relever ce défi. Nous allons relever ce défi. France, restez à l'écart. France, restez à l'écart. Car ce grand défi que Ouattara nous a lancé, nous allons relever ce défi. Je vous remercie. Merci beaucoup à notre cher Balou. Le mercure est monté d'un cran. Le mercure est monté d'un cran. Donnez-lui une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ton parable, là, c'est notre parable. Ne t'inquiète pas. Chacun a sa stratégie. Mais la finalité est connue. Ouattara va partir. Je vais laisser la place à Général Konaté. C'est notre cyberactiviste. Il va vous entretenir. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va à Paris? Camarades, l'ère du vrai patriotisme a commencé. Tous ensemble, venez. Approchez. Ouattara show. Ouattara show. Ouattara show. Ouattara show. Camarades, que ceux qui sont couchés se lèvent. Camarades, que ceux qui sont assis se mettent debout. Champions, le pays nous appelle. Camarades, le pays nous a élection d'accord, mais élection d'accord, élection d'accord, mais démocratie d'abord. Camarades, est-ce que vous pouvez accepter que un clan de hommes d'affaires vous prend en otage pendant au moins 20 ans? Camarades, est-ce que vous avez accepté que notre loi fondamentale, que nous avons votée à 90%, qu'un seul individu et quelques personnes tapis dans l'ombre? Tu patouilles ça? Je ne vous entends pas. Hein? Est-ce que vous êtes là? Alors répondez-moi. Il s'agit de l'avenir de votre pays. Il s'agit de l'avenir de votre enfant, de vos enfants, de vos petits-enfants. Camarades, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Ivoiriens sont réconciliés?